soit sanctifié. Que ton règne soit fait. Ha. Et on va les il ressemble à un prêtre. Hey, si tu joues avec Satan. Jamais du mal. Il se rue sur lui. Ha. Tu sais ce que j'ai vu. Ne fais pas comme ça. L'incarnation du mal. Hey. Tu as coupé. Je ne coupe pas pour moi. Vous savez que j'ai horreur des films d'horreur. Vous me faites regarder ça. Hey, c'est diaboliquement méchant. Votre mère a raison. C'est ce genre de film qui détruise la mentalité des jeunes d'aujourd'hui. Juste un film d'horreur. Devez faire attention. Dis-le, papa. Dis-le. Vous ne savez pas que Satan utilise les issues comme ça pour semer la zizanie dans le cœur des gens. Ha. Veillez et priez. Veillez et priez. D'ailleurs, même à partir d'aujourd'hui, plus de films d'horreur, c'est fini comme ça. Non, ça devient trop religieux, tout ça. C'est la peur de quoi? C'est juste un film d'horreur, vous aussi. Non, c'est les films d'horreur, vous êtes chaud, vous êtes chaud. Mais à l'école, zéro. Bande de chouilles. Je ne t'ai jamais fait quoi que ce soit. Même Halloween. Halloween, la fête du diable. Tu t'entends parler. J'ai dit que dans ma maison aussi, nous servons le Seigneur. Vous comprenez? Que ce soit la dernière fois que vous me dites, oh maman, c'est Halloween, c'est NAMUF! Tu attends quelqu'un? Non, j'attends quelqu'un. Vous attendez quelqu'un? Non, on n'attend personne. J'attends quelqu'un. Ah bah, oh, j'attends quelqu'un. Papa est arrivé. Qui est là? Arrière de nous, Satan. C'est la maison du Seigneur Jésus. Écoutez, va aller voir. Hey, Jésus. C'est toujours le film si. Mijo! 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 C'était Marie. Quoi ça? Mais qu'est-ce qui se passe? C'était quoi ça? Tu ne sais pas. Mijo! Mijo! Oh, 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 oh. Le diable de ma maison. J'ai vu. Hey, c'était quoi ça? Il me faut aller voir. Je ne vais pas voir. Non. Toi, faut aller voir. Moi? Non. N'est pas toi l'homme de la maison. Tu es trop peur. Je peux aller voir. Non. Ne vais pas voir. Toi, tu vas voir d'abord. Je n'ai pas peur. Non. Tu vas voir. Vous savez quoi? Je vais aller voir. C'est bon. Allez, attends. Il faut qu'on prie un peu parce qu'on ne sait pas. Non, c'est pas nécessaire. C'est bon. Marou! Qu'est-ce qui se passe? Si tu lis ce message de fille qui se passe, et pour les revoir, tu devras résoudre cette technique. Que quoi? Chérie! J'ai fait un rêve bizarre. Ma Wemi, j'en ai été kidnappée. Chérie, c'était pas un rêve. Tu as juste eu un choc. Oh. J'ai dit, Ken, ceci c'est qui, non?
J'ai appelé les amis de Mijo et Maro pour qu'ils viennent nous aider. Seuls, on va vite, mais ensemble, on ira très loin. Les enfants, ils vont nous tuer. Calme-toi. Comme vous pouvez le constater, l'heure est grave. Mais qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Quelqu'un a frappé à la porte. Mijo est parti voir. C'est comme si c'est volatilisé, elle a disparu. Et Maro de même. Et quand je suis sorti, j'ai trouvé ça. Si tu lis ce message, tes filles ont été kidnappées. Et pour les revoir, tu devras résoudre cette énigme. Qu'est-ce qui est jaune, mais qui attend? Qu'est-ce qui est jaune, mais qui attend? Ça veut dire quoi, ça? J'en ai aucune idée. Donc, si on résout cette énigme, on va retrouver Maro et Mijo. C'est bien ça? J'espère, mais le temps presse, on doit se dépêcher. Oh, c'est comme une chasse au trésor. Sauf que Mijo et Maro ne sont pas des trésors. Bon, bref, on peut se déguiser comme ça à l'aune, ce serait plus intéressant. Nos amis ont disparu et c'est à ça que tu penses? Sois sérieuse. Vraiment, tout verra les enfants. Si ce n'est pas la magie, c'est les mots de tête. Si ce n'est pas les mots de tête, c'est devenu le kidnapping. Papa a de quoi y arriver. Mais pourquoi kidnapper Maro et Mijo? Ça n'a pas de sens tout ça. Je me suis posé la même question. Jonathan. Ah oui, j'ai pas pensé à ça. Jonathan. J'ai dit qu'un Jonathan signifie quoi? C'est une ruelle pas loin d'ici. C'est ça, à côté de la maman là. Qui s'appelle Jonathan. Oh, c'est pas là où Mijo partait rencontrer ses petits amis au lieu d'aller en classe là. Attends, mais il y a un problème. Est-ce pas qu'il y a aussi un terrain qui s'appelle Jonathan quelque part maintenant? Ah oui, le terrain de foot là. Oui, voilà, c'est ça. C'est pas là où Maro t'a trompé avec Jean-Luc là. Ça fait la une de l'école. Quoi? Oh non, papa, maman, c'était une blague. Chérie, tu entends ça? Jésus, fils du Dieu vivant, je tombe des nues. Donc c'est-à-dire que vous saviez tout ça de mes enfants et c'est maintenant que vous le dites? Bande de vipères gravités. Chérie, c'est pas le moment. Calme-toi. Retrouvons les d'abord. Après, on va régler cette situation. On en reparlera. On en reparlera. Je propose qu'on se disperse pour qu'on aille plus vite. Bonne idée. Vitel, Fille et moi, nous allons aller au terrain de foot. Maman et Nancy, vous allez à la rue. Le premier ou la première qui trouve quelque chose, on s'appelle. Ok? Nancy. Allons retrouver nos filles. Maro! Maro! Ok, vous trouvez quelque chose. D'accord. Oui, t'inquiète pas. Maro! Mijo! Pour arracher ce que je dois chanter maintenant. Non! Tu ne sais pas que Satan il est partout, il veut nous nuire. Tu ne sais pas qu'il faut veiller et prier. Pas ma chance. Allez, chante! Nous allons dans le coin ennemi. J'ai l'impression que je vois quelque chose avant. Ok, allons voir. C'est quoi? Dis-moi, moi, tu as quelque chose, non? Ouais, oh, un papier blanc. Ah. Ne t'inquiète pas, on va trouver quelque chose. Et puis après, tu me dis tout sur ma remise, tu comprends? Mon fonci. Maman, regarde. Satan, tu fais quoi ici? Retourne d'où tu viens. Je n'ai pas peur de toi. Hey. Tu es vaincu au nom de Jésus. Tu veux. Quand je marche dans la vallée de la mort, je n'ai pas. Mais c'est pour moi. Jésus. Maro. Mijo. J'ai trouvé. Non, toujours rien. Ok, qu'est-ce qu'on fait maintenant?
Et si on suivait les traces de pas? Il y en a plusieurs. Peut-être. Mais... Et si... Oh! Vous n'êtes pas sérieux là? Encore? On est incapable. Tu triches. Mais non. Tu triches. J'ai gagné. Ne sois pas mauvais joueur. Quand je marche dans l'ombre de l'amour, j'ai une grande gueule. Jésus. Oh Seigneur. Non, mais Jésus. Attends-moi. J'ai dit que c'était devenu. C'est devenu l'espoir. Ouais, Jésus. Ouais, Jésus. C'est pas le moment, une même fille là-bas. Vite, venez. Tu as vu ça? Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? On a vu la femme de Satan. Comment ça? Elle a failli nous tuer. Maman, c'est quelqu'un qui s'est déguisé. Amouf, elle a failli nous tuer, mais je l'ai combattu. C'est quoi ça? En courant? Elle avait peur. Je croyais que c'était la femme de Satan. J'ai dit qu'elle vous riez quoi? Elle rit de quoi comme ça? Oh la malchance. Donc si je comprends bien, vous n'avez même pas trouvé quelque chose qui serait utile? Ha! La fesse m'a déjà moi trop dépassée. Je dis, c'est la chasse de quoi quand on n'est pas policier. De votre côté, vous n'avez rien trouvé? Non, on a cherché partout, mais on a rien trouvé. Ah, Jésus. Je ne vois pas. Les enfants aussi. Je comprends ce qu'on appelle la police. Ils sauront mieux les retrouver. Parce qu'à cette allure-là, ah, je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Les enfants, ils vont nous tuer. On n'a plus d'autre choix. En fait, j'ai trouvé ça. À quel moment? Et c'est maintenant que tu me dis? Oh, mais je viens de le faire, non? Félicitations, vous êtes à une énigme de trouver vos filles. C'est là où tout a commencé. Ça veut dire quoi? Tout a commencé. C'est là où tout a commencé. C'est là où tout a commencé. Ça veut même dire quoi? Vous parlez de quoi? À la maison, à la case de départ, c'est là où tout. Allons à la maison. La case de départ. Oui, vous pourrez croire que vous pouvez marcher. C'est devenu l'espoir. Hop. Hey, attendez-moi. Bonjour, Maro. Maro, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu joues comme ça? Marie. Mijo, réveille-toi. Marie, qu'est-ce qui s'est passé? La caméra. On vous a bien eu. On vous a bien eu. C'est terminé, je vais vous contacter dans quelques heures, ok? Tiens, passe-toi. Maintenant, Féi. Marie.
vitelle. Tu sais quoi? Jonathan. Attends. D'accord, on est tous prêts. C'est dommage qu'on peut vous voir pour que tu puisses suivre. Oh, bien sûr. Et on va se voir partager le jeu. Oh, bien sûr. Mais bien sûr, bien sûr. L'argent, l'argent. Je ne savais pas que c'est comme ça qu'ils allaient faire. Hé, le tout, si vous avez fait fort, ça a cuit. Ce que vous voulez dire, c'est le bouger qui est venu avec l'idée. Moi, il s'est fait. Hein, je suis même fatiguée. C'est quoi? C'est quoi même avec vous? Vous avez perdu la tête. Vous pensez que c'est drôle? Non, mais c'est le ballon de quoi comme ça? Quoi? Vous pensez que c'est drôle? Et vous riez quoi? Qu'est-ce que c'est comme des souris? C'est quoi? Non, mais. Vous êtes prêts à gagner ce monde et à perdre votre âme? Je vous ai bien éduqué que ça, non? Chérie, tu entends ça? Hé, Seigneur, les enfants, si vous me tuez... On est toujours en train de vous chercher, vous êtes laissés comme ça, vous nous remettez... Et oh, mais... Vous avez complètement perdu la tête. Tu sais pourquoi? Des vues, le pouvoir, de l'argent. Vous êtes une blague de vie, tu vois ça. Vous jouez avec la mort, vous jouez avec le kidnapping. Vous savez, ça veut dire quoi? Papa... Non, vous comprenez l'intensité de votre blague? Pourquoi? Pour des raisons sociaux? Ma tête va exploser, ça va faire le pop-corn. Non, pardon, c'était juste une blague. Je n'ai pas tué mon père, je n'ai pas tué ma mère, c'est quoi? Hein? C'est la même chose qui est dans votre tête. C'est toi, il joue vraiment dans votre tête. Arrêtez ça. Vous pensez qu'on joue avec la mort? Avec le kidnapping? Vous savez ce qui se passe dehors? Bande de chauves-souris. On est déçus. Chien vert. Je suis déçu de vous. Ça va pas? Maridon, c'était toi. Hey! Hey! Tu te déguises en Satan, pourquoi? Hein? Je t'ai pas bien éduqué que ça. Tu veux le suivre? Tu sais pas qui te déteste? Attends, mais où est passé votre sens de l'humour? Tu es malade. Je vais te montrer mon sens de l'humour. Papa, partout, il m'a mis. Papa, partout. Mais c'est pas possible. Il m'a dit quelque chose. Comment il s'est amusé? Non, ne m'appelle même pas. Ne m'appelle même pas. Vous n'avez encore rien vu. Papa, vous pensez partir? Vous ne vous en sortirez pas sans avoir payé toutes vos dettes. Non, pas. Vous voulez blaguer? Blague. Malin, malin. C'est pas. Est-ce qu'on va voir? Vous allez me sentir. Vous allez jouer avec la mauvaise personne. Maintenant 3 mois que vous n'arrivez même pas à me dire le bon chiffre. Vous êtes arrivé à combien cette fois-ci? Bon, je suis arrivé à 1 300 000. Comment t'as déjà fait? 5 milliards. C'est pas ça, c'est faux. 5 milliards. J'ai vraiment combien? Comment t'as fait pour arriver à 3 millions? C'est pas 3 millions, c'est 1 million. À cette allure-là, ils deviendront tous fous. Hey. Et le problème, il est où? Je n'ai rien comparé au traumatisme qu'ils nous ont fait subir. Je n'ai que le début. C'est vrai. C'est elle. Bande de traîtres, on est venu avec cette idée tous ensemble. Tu as compris, non? Non. Quiconque mange la viande est complice d'assassinat.
Vous n'avez encore rien vu. Parlez, quelqu'un, quelqu'un. Moi, je suis fatiguée. En plus, je ne fais pas partie de cette famille. Il est mauvais. Aïe! Aïe! Je ne sais même pas du tout. Je comprends pourquoi tout ça là. Comptez du sable. Je sais exactement le nombre de grains que ce sable contient. Tant que je n'entends pas le bon chiffre, vous restez encore ici, vous n'avez même pas dit des mots ou des années. Ah, mauvaise foi, c'est quoi ça? Vous comptez pas. Maman, c'est impossible, maman, c'est impossible, maman. S'il te plaît, c'est impossible, maman. Impossible n'est pas camerounais, on t'a pas dit mais ça. Mais maman, je suis ivoirienne. Et moi, nigériane, mieux de vous. Parlez, vous comptez pas. Vous allez sauf que voir vos vies défiler sous vos yeux. Ah, vous voulez blaguer? Vous êtes supposé compter l'argent. Je te dis. Sorcière, sorcier. Vous pouvez passer votre sens de l'humour. S'il te plaît. C'est la blague, non? Combien de temps encore? Ma chance. Ce n'est que le début. Et encore moi. Vous avez apprécié cette vidéo, vous savez déjà quoi faire. Et abonnez-vous, likez, commentez, dites-moi en bas de vous votre partie préférée. Pour moi, c'était que maman a couru. On va voir la semaine prochaine. Ça, c'est sûr, on finit de protéger ça. Ça fait des années. Et puis, ne faites pas ça chez vous. Aussi, dites-moi, vous êtes quel genre de team? Team Maro, Mijo, ou bien papa et maman? Ne servez pas vos amis, s'il vous plaît. T'envoyez. Continuez. Parlez seulement, ne comptez pas. Je viendrai respecter. Et gare à la personne qui me dit un mauvais chiffre. Ne va même pas vous dire. Bande de vipères grasses. Sorcier. On se dit à la prochaine. Abonnez-vous. Il n'y aura pas de prochaine fois. Il n'y a pas de prochaine fois. Maman, c'est quelqu'un qui s'est déguisé. Alors mes enfants, ça va? Ok, mon nom on dit qu'un. Si j'ai n'importe quel problème, mangez d'abord. Voilà, vous avez intérêt à abonner. Non, c'est le crâne. Les acteurs qu'on emmène dans les sets. Black people don't like that. You don't get paid for this. Si vous ne faites pas, on pense qu'on jette dans les yeux.